Vous êtes sur Canal 32 et malgré les apparences, vous êtes en plein cœur de l'agglomération Romillonne. Nous sommes ensemble pour découvrir ce territoire des portes de Romilly, spéciale porte de Romilly. Après avoir découvert Gélannes et Saint-Hilaire, zoom sur Mézières, la grande paroisse, avec son maire, monsieur Lamy. Bonjour. Combien d'habitants dispose Mézières, la grande paroisse? Alors, donc Mézières compte 1580 habitants, donc des jeunes, des moins jeunes, effectivement, et une population en pleine évolution. Est-ce qu'on connaît l'histoire et l'origine surtout de Mézières, la grande paroisse? L'histoire, effectivement, si on remonte vraiment en limite de l'Antiquité, on avait trois mots qui s'appelaient Mazerles, Pouilly et Les Granges, qui sont devenus Poussées, Mézières et Les Granges. Les Granges, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait des postes relais qui servaient justement aux diligences qui montaient sur Paris. Et puis donc, comme aujourd'hui on parle des communes nouvelles, à l'époque, effectivement, il y a eu une fusion de ces trois hameaux et Mézières, la grande paroisse, est née. Dans toute sa splendeur, on va dire, sur tous ces termes-là. Voilà. Si Mézières était un slogan, ce serait quoi? Alors, si Mézières est un slogan, on dirait qu'effectivement, à Mézières, nous cultivons le bien-être et l'attractivité pour justement coupler à la fois la vie rurale et puis la vie urbaine, voilà, puisque la mixité. L'une de ses particularités, c'est d'avoir un tissu associatif important pour 1500 habitants. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, Mézières compte plus de 13 associations, dont l'association L'Étoile, qui compte plus d'une centaine d'adhérents, qui a été créée depuis plus de 80 ans, qui continue de vivre grâce à ses, on va dire, à ses volontaires et donc qui marche très bien. En globalité, nous avons quand même plus de 700 licenciés sur la commune de Mézières, enfin 700 adhérents, on a un bon club de foot qui marche très bien, et puis donc on a à peu près toutes les activités qui sont couvertes, que ce soit sportives et culturelles. Comprenons-nous bien, cette association L'Étoile, elle est multi-activité, c'est ça? Multi-activité, effectivement. On passe par la pétanque, le tennis, la danse country, le ping-pong, le tir à l'arc, donc effectivement tout un panel d'activités. Et c'est pour ça qu'elle peut rassembler aussi diverses générations. Effectivement, en donc on a de ces beaucoup d'échanges intergénérationnels justement au sein de toutes ces associations, ce qui permet aussi de créer le bien-être et le bien-vivre. Alors le vent se lève, et j'espère qu'on nous entend encore, mais Mézières, on sait que c'est un gros bourg qui a un vécu, qui, grâce à L'Étoile, a de multiples activités, mais qui a aussi une histoire, grâce à la bonneterie, notamment au début du 19e siècle. Je vous propose pendant une minute qu'on se retrouve, on va dire un siècle plus tôt, avec quelques anecdotes qui ont été proposé par l'un de vos administrés. Je vous propose de découvrir Mézières, la grande paroisse, il y a environ un siècle, vers 1920. Il y a un siècle, Mézières, c'était les petites bonneteries, c'était, il y avait une gare qui est disparue en début des années 2000. Il y avait les ouvriers tous les matins qui allaient prendre le train pour aller travailler à Romilly, soit à Troyes. Dans le temps, c'était surtout plein de petites bonneteries. C'était pratiquement presque tout le pas Mézières, mais il y avait bien un tiers de Mézières qui devait bosser en bonneterie. Hein. Comme anecdote, il y avait aussi un café qui s'appelait le Café des Bédouins. Apparemment, pour être bédouin, il y avait une tradition, il fallait qu'ils boivent une bédouine, c'est-à-dire ça représentait plus d'un litre et demi de vin, je crois. Ils buvaient et après ils mettaient à la Seine. Il paraît qu'ils étaient baptisés bédouins. Bon, Michel Lamy, la bédouine, on va essayer d'éviter maintenant. Je pense que les mœurs ont changé, évidemment. On essaye de se limiter dans la consommation d'alcool. Mais pour reprendre un petit peu ce qui est évoqué dans le reportage, la bonneterie a marqué Mézières, la grande paroisse, très fortement. Tout à fait, effectivement, on avait beaucoup de petites usines de bonneterie qui travaillaient pour les établissements Doré Doré à l'époque, donc qui retournaient des chaussettes. Et donc, on avait environ une dizaine d'usines, de petites usines, hein, qui créaient effectivement beaucoup d'emplois locaux, justement, et qui travaillaient 24 heures sur 24. Ça a fait vivre des générations d'habitants de Mézières. Tout à fait, des générations, effectivement. Alors l'histoire de Mézières, elle continue évidemment, il y a toujours un fort développement pour créer un cadre de vie à même d'attirer de nouveaux habitants. Cyril Tavernet vous a suivi au sein de la commune pour découvrir ces actions qui doivent permettre de dynamiser Mézières, la grande paroisse. Je vous propose de découvrir ce reportage.
Mézières est en pleine expansion suite à différentes décisions du conseil municipal pour apporter du dynamisme au sein de la commune. Donc nous avons commencé par un aménagement sportif en créant effectivement un stade flambant neuf avec des vestiaires dignes de ce nom et aux normes. Et puis donc ensuite, nous avons engagé une procédure de remise aux normes du centre de loisirs pour l'accueil des jeunes enfants vis-à-vis des jeunes arrivants sur notre commune. Derrière, nous avons fait une maison d'association effectivement pour regrouper encore une fois toutes les associations, créer un lien entre la jeunesse et on va dire les personnes un petit peu plus vieillissantes. Et puis pour terminer, donc, nous venons de créer un village senior en partenariat avec la société Aube Immobilier, donc un village senior d'une capacité de 12 pavillons, donc aux normes handicapées, dernière génération, et vraiment d'un très grand standing. Donc avec des prix très compétitifs et donc très accueillants, qui se trouvent en cœur de village, à proximité de la pharmacie, à proximité de la boulangerie, du cabinet médical, de la mairie, et surtout en lien avec les écoles et avec la maison d'association pour créer, on va dire, une dynamique intergénérationnelle donc entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà, donc ce qui permet de créer un dynamisme flambant neuf, on va dire, et tout performant au niveau de la commune. C'est par ce biais-là que la commune peut continuer à vivre et en toute sérénité, puisque donc on a une grosse demande au niveau des constructions, des locations, et on a vraiment un gros lobbying à faire au point de vue des jeunes couples qui sont là et qui sont à la fois à la ville et à la campagne, avec toutes les joies de se promener dans la nature autour et de profiter de lieux aménagés à ce sujet-là. Michel Lamy, créer de nouvelles infrastructures comme celles qu'on a vues dans le reportage, je suppose que c'est vital pour une commune en ce moment ? Ah ben tout à fait, parce qu'il faut avoir une offre de service justement aux jeunes populations qui arrivent, aussi bien aux jeunes qu'aux populations plus anciennes, puisque donc nous avons créé un centre, on va dire, tout neuf au centre de Mézières, au centre du village, en centre-ville, puisque nous venons de créer un village senior, donc pour permettre d'accueillir effectivement des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont seules dans leur maison. C'est ce qu'on a vu en effet dans le reportage. Dans ce genre de projet, ça veut dire que l'union fait la force, que ce soit dans une agglomération ou avec d'autres acteurs, comme un office public d'habitat ? Ah, tout à fait, et justement, c'est pour une commune comme Mézières qui pourrait aujourd'hui se permettre de porter des travaux lourds justement de voirie, et donc effectivement on peut travailler en partenariat, ce qui est très intéressant, avec des bailleurs sociaux, des choses comme ça. Et puis aussi par le biais d'intercommunalité, parce qu'effectivement on va le voir un peu plus loin, mais effectivement je pense qu'il faut qu'aujourd'hui que tout le monde travaille dans un consensus pour réduire les coûts au maximum et pour pouvoir faire des belles choses dans nos villages. Au niveau économique, comment se comporte Mézières, la grande paroisse? Il y a des projets de développement? Alors le projet de développement effectivement est en cours et continue donc avec le parc de l'aérodrome qui est en train de se développer. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui sur le territoire même de Mézières, nous avons une quarantaine d'entreprises TPE-PME avec à la clé 270 emplois. Donc c'est quand même important pour notre commune et qui justement avec des rentrées fiscales on va dire raisonnables, ce qui nous permet aussi de faire des constructions structurantes pour l'accueil des jeunes et des anciens. Avec la perspective de développement sur Aéromia qui peut tout permettre de... Effectivement, donc on travaille au niveau de la côté de commune en parfaite harmonie, on va dire, et dans un consensus vraiment unitaire pour justement faire de la création d'emplois et continuer dans ce sens-là pour que Mézières continue de se développer et continue d'être attrayant. 40 entreprises pour 1500 habitants, vraiment beau score, bravo Michel Lamy. Et je suppose que ça va augmenter au fil des ans grâce à Aéromia. On se retrouve après une courte pause, on va partir de nouveau à la découverte des communes des Portes de Remilly. Dans moins de 2 minutes, vous serez à Crancey.